Alors, monsieur Guillain, vous présentez dans le quintet de jeudi à Saint-Cloud, Squamish, qui a intégré votre effectif cet hiver et qui a fait une bonne deuxième place pour ses débuts sur votre entraînement. Oui, tout à fait. Oui. Un bon parcours, un parcours gentil, une bonne seconde, un cheval qui fait 42 valeurs, vantant un ancien cheval que j'avais, que je pense qui est très, très utile. Voilà, pas la pointure distelle, mais ça va être un bon vieux cheval. Du coup, il est second de ce cheval-là qui est très bien. Alors, du coup, il a fait une bonne entrée. Gentil, sur un coup de bâton, voilà. Tout en devançant Prince Nomad, qui est aussi un bon élément. Tout à fait. Il est monté sur cette course-là, Squamish ? Oh, je l'ai pas trop travaillé là. Non, c'est un vieux cheval. Là-dessus, je peux pas vous dire. Mais normalement, oui. Normalement, ouais. J'espère qu'il va monter là-dessus. Voilà, mais là, je peux pas vous le dire le matin. C'est un cheval qui est un vieux cheval qui est un peu raidillard et je l'ai laissé sur des canters, un coup de souffle comme ça et voilà, il va rester là-dessus. La dernière fois, c'était 2004. Il revient sur un créneau qu'il connaît un peu mieux, 2100. Ouais, je pense que la dernière fois, 2004, c'est peut-être un petit peu long. 2100, c'est pile poil sa distance, je pense. D'accord. C'est un cheval très régulier, hein, même si. Oui. Donc à Saint-Cloud, ça devrait plutôt bien se comporter. Tout à fait. Si on y va, c'est que je pense qu'il a une chance, qu'il va bien défendre sa chance. Ah, très bien. Et au niveau terrain, il va partout. Ah oui, non, je pense que le terrain lourd, ça va plus lui plaire que mon terrain, je pense aussi. D'accord. Je ne sais pas comment va être le terrain là-bas, mais. Pas lourd. Je pense pas qu'il sera lourd, hein, il ne prévoit pas de pluie, donc il peut très bien. Ah, d'accord. Ouais, ça aurait peut-être été un avantage pour moi, voilà.